Raphaël, vous êtes directrice acquisition de Brindalé. Alors Brindalé est numéro 1 des grands magasins en ligne en France. Vous êtes dans le top 15 des sites marchands français et vous accueillez plus de 7 millions de visiteurs par mois. Quelle place la maîtrise de la connaissance client occupe-t-elle dans vos stratégies d'acquisition? Quels sont vos leviers d'acquisition sur le web, sur le mobile, sur les réseaux sociaux? Nous avons de gros objectifs d'acquisition de nouveaux clients. Du coup, on est obligé de tester en permanence toutes les opportunités. On est présent sur les liens sponsorisés et l'affiliation, évidemment, mais on teste également tout ce qui est mobile et retargeting sur les plateformes d'ad exchange en RTB. Et puis, on teste régulièrement tout ce qui est display et réseaux sociaux où on a plus de mal encore à trouver de la rentabilité. Dans tout ça, évidemment, la connaissance client représente une part centrale dans nos stratégies d'acquisition, nous permettant de segmenter les différents profils et de proposer des offres personnalisées à nos clients. Quel type de données collectez-vous? Quels sont les profils identifiés? Est-ce qu'on peut dire que chaque canal apporte une connaissance complémentaire autour du client? De par sa forte activité sur les ventes privées, les inscrits à la newsletter de Brindalé ont un statut particulier. Du coup, dans nos campagnes, on est calé sur les profils non inscrits, inscrits ou clients. Effectivement, tous les leviers marketing ne permettent pas le même niveau de ciblage. On exploite les opportunités de chacun selon les contraintes. Par exemple, sur les liens sponsorisés, où on ne peut évidemment pas connaître le profil de l'internaute qui fait la requête, on est obligé de constater les proportions d'anciens ou nouveaux clients par mots-clés et d'optimiser selon. En revanche, sur le retargeting, on a un partenaire allemand avec une techno bien robuste, bien puissante, qui nous permet d'aller très loin dans la segmentation et de proposer du coup des offres ciblées en fonction des différents profils. Alors dites-nous, comment exploitez-vous ces insights au profit de vos stratégies d'acquisition, au profit du succès de vos campagnes? Quel est l'impact sur la conversion, sur l'accélération du business? Nous gérons nos campagnes avec des objectifs de coûts d'acquisition différents selon les profils. Par exemple, on est évidemment prêt à payer plus cher une vente lorsqu'elle est apportée par un internaute qui n'a jamais acheté sur Brindalé que lorsqu'elle est apportée par un client qui est déjà actif chez Brindalé. Ce critère de pilotage, affiné au niveau des profils de nos visiteurs grâce à notre outil d'AdCentric et optimisé selon les contraintes des différents leviers marketing, nous permet de maximiser nos résultats. Par exemple, sur le retargeting, on a pu multiplier par 4 les volumes de vente tout en maintenant le coût d'acquisition. Et cela simplement grâce à la segmentation en permettant des offres ciblées selon les différents profils. Alors pour finir, quel est votre petit plus, votre recommandation en matière de connaissance client appliquée aux stratégies d'acquisition? À mon avis, il faut avoir de bons outils, de bons partenaires, une méthodologie en interne de test et des profils analytics motivés. Eh bien, nous gardons précieusement ces fondamentaux. Merci Raphaël et à bientôt.